qui prie Al-Fajr, la prière du matin, il est sous la protection d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et dans le même hadith, le prophète, regardez ce qu'il dit ensuite, il nous rappelle, tu pries le Fajr, tu es protégé par Allah Jalla wa Ala. Et il dit qu'aucun d'entre vous ne se mette dans une situation où vous devrez rendre des comptes concernant votre négligence auprès d'Allah Jalla wa Ala. Là, le prophète, il nous dit, tu pries sauf que tu es protégé par Allah. Ne te mets pas dans une situation où demain, au jour de la résurrection, tu devras rendre des comptes auprès d'Allah sur ta négligence. Dieu, il te dit, t'es protégé par Allah, tu es négligent, t'en veux pas. C'est comme si tu disais, Allah, je ne veux pas ta protection quelque part. Donc ici, profite de cette prière. Al-Fajr, à l'heure, fais-la à l'heure. Donc ça, c'est parmi les premiers moyens, ayyuhal akhyar,